Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette vidéo est dédiée à tous qui, dans le monde, ont des relations d'affaires avec l'Italie. Mon travail se déroule principalement dans le domaine de l'achat et de la vente des sociétés, donc c'est un travail plutôt complexe. Mais aujourd'hui, je vous donne une opportunité qui est fil naturel de cette expérience, expérience qui voit 15 ans passer autour du monde, en voyageant dans des pays différents pour culture et pour secteur des choses traitées, et 15 ans passés ici à Milan, qui est la capitale financière du pays. L'opportunité est fil naturel de cette expérience parce que j'ai compris une seule chose probablement de la vie, la seule probablement certitude que j'ai, est que là où vous travaillez dans un pays étranger, avoir une figure sur place est essentiel. Et il faut que cette figure soit une personne avec une connaissance, pas seulement de la mentalité, qui est un aspect très important, mais qui ait une connaissance juridique et économique du territoire. Je ne travaille pas tout seul, naturellement. Il y a un peloton de professionnistes aussi à d'autres spécialisations qui est à votre disposition, naturellement. J'aimerais aussi vous donner des exemples de cette potentielle collaboration. Vous pourriez m'appeler pour résoudre certains malentendus avec un client, avec un fournisseur, demander des renseignements sur le marché, demander renseignements sociétaires des entreprises avec qui vous êtes en train de travailler ou avec qui vous travaillez déjà. Demander la rédaction de contrats ou contrôler des accords déjà signés. Coordonner des projets en cours. Négocier des achats, négocier des ventes, recruter des professionnels spécifiques. Un message particulier s'adresse aux petites moyennes entreprises. Regardez les multinationales. S'il y a un point de force dans les multinationales, il est représenté par le fait qu'ils ne traitent jamais sur distance. Ils sont toujours sur le territoire directement. Mais vous direz, nous ne sommes pas des multinationales. Et je vois souvent que les petites, les moyennes entreprises ont peur des coûts de ce service. Sans penser aux avantages qui ce service amène. Alors, sachez que personne n'est jamais mort pour mes factures, parce que j'ai deux principes pour calculer les estimations à vous soumettre. Un, c'est la nature et la complexité de la demande. Et deux, c'est votre force financière. J'ai résolu beaucoup de problèmes aux gens, aux sociétés. Et c'est drôle si je pense que souvent ils m'appellent ici en Italie la débrouille bordel. C'est pas très chic, mais ça me fait très heureuse. Ça signifie que je suis utile pour eux. Donc il me reste que vous remercier. Remercier pour le temps consacré à cette vidéo. Et j'espère bien que vous avez envie d'organiser un video call pour se connaître, simplement pour se connaître, pour voir votre réalité et pour voir si je peux être utile à votre mission. Et donc, à bientôt. Merci et salutations cordiales.